Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera voilà, je sais déjà plus mes nouveaux achats. Donc oui, hier je suis allée au jumping de Liège et bah, bien sûr il fallait que je revienne avec des choses, des articles. Et bah, du coup voilà, on est parti, go. Alors en premier, le basique quand je vais dans tous les salons, c'est des bonbons, voilà. C'est pas de la marque SGCP, mais c'est vraiment la même chose parce qu'ils sont 100% naturels et tout ça. Donc, voilà. Mais il y aurait eu des HGCP, j'aurais préféré ça. Alors oui, désolé pour la pluie, il pleut, mais j'ai pas d'autre endroit pour faire la vidéo. Donc ensuite, bien sûr, j'ai craqué. C'est un nouveau bridon en brun. Attendez, laissez-moi réfléchir. En brun. Je sais plus, voilà. En brun, il est en brun taille full. Il était en réduction. Donc, je suis super contente. À la base, il nous coûte. Attendez. 60 euros. Donc, 59,90 €. Et. Ici, je l'ai eu à 36 euros, quelque chose, je pense. Et voilà, mon chat, il est magnifique. Ok. Tu peux pas juste un peu te décaler pour qu'on te voit. Bon, bref. Et du coup, voilà. Et j'en suis juste trop fan. Voilà. Alors, moi, j'adore parce que j'en avais déjà un. Et c'est un avec. Derrière un gros truc. Je sais pas comment expliquer, et du coup voilà, et j'adore. C'est un de marque JMR, et voilà. Donc j'avais presque le même en marque HFI pour un poney. Alors. Ensuite, j'ai mon collier Chas, donc que j'ai racheté. Bon, il était d'occasion, hein, donc voilà, mais il a l'air énorme. Donc c'est un collier de chasse 5 points. Mon chat! Bouge-toi! Viens, Lolo. Oui. Donc un 5 points. Malheureusement, les gens dans le magasin ont volé les moutons. Donc on a dû en faire nous-mêmes. Ils sont pas très très bien, mais... On fait avec les moyens du bord, voilà. Lâche-toi. Pareil pour ici en dessous. Et bah, celui-là, c'était le seul qui restait, du coup, voilà. Et du coup, voilà, je n'ai rien dit. Du coup, il y a la martingale aussi en dessous, voilà. Et il est grand, donc... Alors, oui, il ne faut pas se tanner si mon camarade tombe ou autre, mon chat qui n'arrête pas de jouer. Hop. Et on rapproche... Ouais, j'ai du plaisir à les raccrocher. Parce qu'il y a trop de trucs. Bon, pourtant, je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà. Donc tout ça, c'est tous mes licoles. Et là, c'est tous mes cuirs. Et j'ai au moins... j'ai 4 bridons. Plus mon nouveau, ça fait 5. Et mon collier de chasse, ça fait 6. Ça passe plus, mais bon. Voilà, attention, mon chat va remonter, j'ai peur. Non, bref, du coup, je vais aller chercher les tapis qui me manquent et je viens vous les montrer. Donc voilà, alors en premier, on va passer par celui de mon frère. C'est le premier que j'ai devant moi. Donc on va commencer d'abord par le bonnet. Voilà. Donc c'est un bonnet bleu marine avec... du lycra un peu, donc c'est un peu élastique, blanc et marron, voilà. C'est de la marque, je ne sais pas, en fait je sais pas si c'est de la même marque que le tapis, je ne crois pas parce que c'est même pas de la même couleur, enfin si mais pas exactement, donc voilà. Ensuite c'est le tapis de mon frère, donc c'est le tapis Kentucky qui en céleri, j'ai été voir sur le site, coûte 95 euros. Donc je suis assez contente de l'avoir eu d'occasion et pas cher, hein, je peux vous le dire.
Donc voilà. Basique, hein, derrière pareil. Voilà. Mais par contre, là, c'est vraiment été mon gros coup de cœur dès que je l'ai vu. C'était le tapis qu'il me fallait dans ma nouvelle collection. Alors, oui, si vous voulez savoir, c'est d'avoir des tapis un peu plus modernes, comme des tapis Alexandra Lederman, des trucs comme ça. Donc voilà, ça dépend. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Voilà. J'espère que vous m'entendez bien. Donc là, c'est vraiment le coup de cœur que j'ai eu. Et mon chat va passer devant, donc j'ai arrêté de parler. Allez, loulou, tu vas salir tout. C'est un tapis noir. Je le montre dans le mauvais sens, mais c'est un tapis noir. Je vous montrerai de l'autre côté après. Je sais pas si certains l'ont déjà remarqué juste avant levé parce qu'il y a le logo, mais je crois qu'il y en aura quand même beaucoup qui vont reconnaître quand ils connaîtront le logo. C'est Alexandra, un tapis de la marque Alexandra Lederman. Et ben c'était un peu quand même un tapis que je voulais. Pas spécialement un tapis parce que c'est vrai que j'aime bien les pantalons de chez Alexandra Lederman et tout ça. Mais là, je suis contente. C'est vraiment... quand je l'ai vu pas cher à 50€, j'étais trop contente, quoi. Donc, je vous le dis, c'est 50€ tapis et bonnet. Donc, voilà. Donc bah, pareil que mon frère, on a le petit bonnet Alexandra Lederman qui va avec. Et là, c'est vraiment juste le coup de cœur que j'ai eu. Ce sera sûrement un de mes tapis que je mettrai en concours parce que voilà, c'est vraiment le meilleur des tapis que j'ai eu aujourd'hui ou hier ou avant-hier, je sais plus. Non, hier. Hier, donc voilà. Ensuite, je vais chercher ce qui me manque et je reviens tout de suite. Donc voilà, je reviens avec mes articles. Alors, le premier article, il est déjà sale parce que je suis allée en concours ce dimanche. Donc on est le mardi 30. On est le mardi 30. Et le dimanche 28, j'ai été en concours. Et du coup, c'est un pantalon blanc, comme vous avez pu remarquer. Fuganza. Voilà. Derrière, c'est des fausses poches. Voilà. Devant également. Enfin, devant ici, il y a des petits trucs et des fausses poches. Et juste là, il y a des poches normales, quoi. Donc. Voilà. Ça, c'était pour le tout premier pantalon. En fait, je n'en avais plus. Parce que mon blanc que j'avais en premier, c'était... un que j'avais acheté pour mettre en concours. Sauf que quand je l'ai mis en cours, ben, il est devenu tout noir. Ensuite, c'est un pantalon... bleu marine, voilà, de la marque JMR. Donc je l'ai essayé en magasin, hein, donc voilà. Voilà, je sais pas quoi dire en fait, je l'ai jamais essayé. Enfin, si j'ai été, mais pas à cheval, donc je sais pas vous dire comment ils sont. Par contre, le petit malheur, c'est qu'il y a du scratch en dessous et ça, je déteste, mais vraiment. Donc, à mon avis, ma maman devra faire un petit peu de couture pour enlever ce petit scratch. Mais sinon, rien de grave, c'est qu'un scratch. Et du coup, voilà. Alors, l'intérieur, le rebord, il est en camel, comme vous avez pu remarquer. Et du coup, voilà. Alors, comme je suis la pro pour salir mes pantalons pour les casser. Donc ça, c'est pour les casser, parce que je suis une pro pour les casser. Mais pour les salir, je suis une pro pour les salir, mes pantalons blancs. Donc oui, j'ai repris un pantalon blanc de chez JMR, voilà. Alors il n'a encore jamais été mis. Je l'ai déjà essayé, bien sûr. Mais j'ai de la chance parce que je suis allée quand il y avait les réductions. Et du coup, je les ai eus à 16,80€ par pantalon, donc c'était pas cher. Donc voilà. Et de toute façon, j'avais pas un gros budget. J'avais que 210€. Donc, enfin, c'est déjà un bon truc. Mais je veux dire, c'était pas un gros budget pour m'acheter des gros trucs et tout ça.
Donc les deux ensemble, on était déjà à 100 euros. Non, 50 euros parce que mon frère a payé le sien lui-même, donc 50. Mon collier était à 50, ça fait déjà 100. Les pantalons, c'est 30 dés. Le bridon, 30 dés aussi. Et les bonbons, c'est 15 euros. Donc voilà. On est bien parti sur cette saison. Donc tout ça, tous les pantalons blancs sont pour la saison prochaine. Parce que cette année, pour moi, je crois que c'est fini. Mais l'année prochaine, je crois qu'on va, on va démarrer sur des saisons concours aussi. Donc voilà, désolé encore énormément pour la pluie. Mais voilà, je ne peux pas gérer la météo. Donc voilà, cette vidéo prend fin et je suis super contente de mes achats. Surtout de mon petit bonheur que j'attendais quand même depuis 2-3 jours. Et que j'ai enfin, c'est vraiment l'ensemble que je voulais. Et ben là, voilà, je suis vraiment contente. C'est bien parce qu'en plus j'ai des protections d'air réduit noir. Donc ils iront trop bien avec. Par contre, j'ai pas de bleu marine. Je les aurai que seulement dans 5 jours. Mais de toute façon, je vous refais une vidéo dans 5 jours plus ou moins avec mon colis où j'ai quelques petits trucs à vous montrer également. Et sinon, voilà. Donc, si vous voulez que je vous dise les prix, les pantalons JMR sont à 16,80€ pour un. Les bonbons sont à 15. Et le bridon, je l'ai payé. 36, ouais, un genre de 36 euros dans les environs, quoi. Voilà. Et le code de chasse de 50, je vous l'ai dit, mais c'est d'occasion, c'est pas les prix normaux. Donc c'est ça, je vous renseigne pas trop là-dessus, car c'est pas les prix qui Ah oui, alors moi je suis toujours en train de regarder mon bonnet, je suis. Je suis encore épanouie de l'avoir pris parce que bah, c'est rare que de la marque et voilà. Bah, c'est vrai que j'ai quand même 2-3 tapis de marque qui sont arrivés dans le début d'année. J'ai eu mon escadron qui est arrivé pendant les vacances. J'ai eu mon Dion qui est arrivé en avril. Et j'ai eu mon Veredus qui est arrivé pendant les vacances aussi. Et du coup, tout ça, c'est déjà énorme pour une année sur moi. Donc ça fait déjà 1, 2, j'arrive. 1, 2, 3, 4. Voilà, j'en ai 5. 5 de la collection, et là, je suis vraiment contente. Ouais, il y a un truc à mouche au-dessus de moi. Non, non. Donc voilà. Ah oui, et je voulais aussi vous dire que les vidéos du swap de ma meilleure amie ont eu un montage car c'est elle qui les a filmées et c'est elle qui a fait les montages. Maintenant, les autres vidéos qui vont suivre, je ne sais pas s'il y aura de montage car moi je ne sais pas encore les faire. J'apprends tout doucement, mais je sais pas encore les faire. Du coup, je la laisse faire quand elle veut bien les faire, mais quand elle veut pas les faire, ben, je la force pas. Du coup, voilà. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et surtout abonnez-vous. Bye.